va aller. C'est parti. On va changer de région, vous allez voir, dans quelques instants. Ah, ouais. On retrouve notre invité mystère. Ouais, vous laissez plein de messages et vous avez trouvé qui c'est avant qu'il parle. C'est quand même ouf, ça. C'est vrai. C'est fou. Allô, l'invité mystère. Momo, il n'a pas mis sur Facebook ou sur... Non. Comme sur... Sentiez-vous le poste. Allô. Salut, l'invité mystère. Alors, ça va ou quoi? Et toi, comment ça va? Comment? Oh, pépère. Déjà, vous avez un petit indice, vous avez peut-être remarqué un petit accent. Ah bah oui, c'est sûr. Un accent du nord de la France. Eh bien non, Romano. Ah merde. Tu t'es trompé. On a eu droit à un accent du nord tout à l'heure. Là, non. À Marseille. Ah, donc on est à Marseille. Premier indice, on est facile. À Marseille. Deuxième indice, on l'écoute beaucoup sur Skyrock. Ouais. Donc c'est un artiste qui chante, c'est ça, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut donner comme troisième indice? Il y a un piège dans ton nom qui se prononce pas comme il s'écrit. Ouais. Ouais, bah t'as qu'à donner la réponse. Ouais, t'as tout dit là. Et dans un instant, un autre indice, on va écouter son son sur Skyrock dans, il s'appelle une minute maximum. Dans une minute, vous écoutez son son sur Skyrock. Il faut donc vite nous laisser la réponse et on t'en trouve dans un instant en direct de Marseille. Et si vous l'avez déjà reconnu et que vous avez plein de questions à lui poser, n'hésitez pas, profitez-en. C'est la première fois que tu passes dans la radio libre. Ouais. Autre indice. Voilà. Et un album est sorti. L'album est sorti le 24 février. Encore un autre indice. Vous avez même la date de la sortie de l'album. Ça, là, c'est fait. Hein, pour qui est donc l'invité mystère? Réponse dans un instant. Tu bouges pas, on est de retour avec toi. À tout de suite. Et le son de l'invité mystère, si vous l'avez pas encore reconnu, c'est tout de suite sur Skyrock. Vous trouvez qu'ils étaient évidemment l'invité mystère et avec nous en direct de Marseille ce soir. Allô. Oui, allô. Oui. En direct de la chicha de Fontvert, en direct. T'es où, dans une chicha? À fond vert. Voilà, c'est un chicha de fond vert. À fond vert. Alors, si vous le cherchez, si vous voulez le voir pour de vrai, il a un chicha de fond vert, alors. Voilà, ou au studio. C'est pareil. Le studio est à côté de la chicha, c'est ça, pratique. Voilà. Bien pratique. Et on a Ismaël en direct avec nous qui a été le premier à trouver qui tu étais, même s'il y en a qui avaient donné la réponse déjà à 21h. Ah ouais, largement, ouais. C'est dingue, j'ai dit, on a un invité mystère ce soir, ils vous ont tous dit, bah, Ismaël va nous le dire. Ouais. Allô, Ismaël. Jules. Hein. Eh ben, voilà. Ouais, c'est lui. C'est Jules. Ouais, c'est Jules. Avec ton gros son, il y a plein d'autres gros sons sur ton album. On va en découvrir plein sur Skyrock en plus. Ouais. Si vous n'avez pas encore découvert. J'ai ton album. Bien joué, Ismaël. T'as l'album déjà à la maison, toi? Ouais. Et voilà. Ah, bien joué. Il fait partie de tous ceux qui ont déjà acheté ton album, Jules. Les premiers fans sont déjà là avec nous. Ouais, il est parti à Alès. Dédicace à Alès. Merci. Ah oui, t'es passé. C'est passé à Alès, oui. On est passé déjà là-bas. On est dans le coin, on est dans le 30 ans. On est passé à la chicha, le saphir. Voisin. Mais voilà. tu fais la tournée des chichas, Jules? Ouais, dans toute la France, j'essaie d'aller faire des tours. Et ben voilà. Hein? Si vous voulez faire un tour, si vous allez faire un tour dans une chicha, vous tomberez peut-être face à face avec Jules. Ouais. Et ben bienvenue à toi, Jules. Alors ça s'écrit Jules. Je l'explique pour ceux qui te chercheraient sur le net, tout ça. Jules. Voilà. Ouais. Voilà. Et ça se dit Jules. Tu viens de Marseille. Voilà, comme ça s'entend, okay. Oui. Il y a plein de questions pour toi, plein de messages. Bah, tiens, Ismaël, puisque t'es là et que t'as été le premier à trouver qui était Jules, t'as un truc à lui demander, profite, hein. Ben, qu'il revienne à Alès le plus vite possible, hein. On t'attend à la chicha, Jules. On va revenir en force. À la chicha, il y a tout le monde qui t'attend, Jules. Ouais. Bon, alors, plein de questions que vous nous posez. Alors, qu'est-ce que vous nous posez? Dommage qu'il soit marseillais, c'est qui? Ah, les gars. Ibra, ouais. Qui nous laisse un message. Ouais. Mais son son est trop fort. Quoi? Non, mais c'est vrai, ton son, il est bien tout, mais dommage, t'es marseillais. Mais quoi? Alors, ça, le truc. Mais qui sont je te présente quelques parisiens dans l'équipe. Là, c'était Karim que tu viens d'entendre, hein. D'accord. Heureusement, les Marseillais sont représentés par Samy qui est à ma droite. Non, mais moi j'aime parce que tout le monde qui critique Marseille, mais tout le monde qui bande sur le son de Marseille. Donc moi ça me fait rire. Et voilà. On continue de représenter, gros, c'est bien. C'est vrai, grosse scène marseillaise. Pas la tête. Bah oui. Pas la tête. N'écoute pas les critiques. De toute façon, après, si tu te mets à écouter une critique, tu vas écouter toutes les autres et tu vas plus t'en sortir. Mais moi je voulais te demander, ça fait combien de temps que tu rappes en fait? Ça fait 12 ans. J'ai écouté l'album. Mon premier son, il commence comme ça. Ça fait 12 ans que je rappe. Ok. Dans le premier son, t'expliques un petit peu d'où tu viens, comment ça se passe, tout ça. Voilà, j'explique un peu la zone, ce que je vois, ce que je vis. De toute façon, dans tout l'album, c'est ça. Ah, très bien. Il y a Teddy là qui voulait te parler. Alors Ismaël, déjà une question. Une question, c'était quand est-ce qu'il revient à Alès? Ouais, Alès. Donc la réponse, tu restes à l'écoute de Skyrock. Dès que Jules va à Alès, tu nous fais signe. On l'annoncera en direct. Voilà. Comme ça, on fera une émeute à la émeute à la chicha. Ah ben merci. Et Teddy est avec nous. Lui, il est où, Teddy? À Toulon. On reste dans le sud. Ouais. Salut Teddy. Salut. Salut. Comment ça va, yeah. Teddy? Ça va, nickel. On va mettre une photo de Jules parce qu'il y a des filles qui demandent, il ressemble à quoi, Jules? Bah, c'est un gars, déjà. Ah bah oui, ça, forcément. Le reste, vous verrez. Il a quel âge, Jules? Nous demande Anissa.
24 ans. Issam qui nous dit, Jules, c'est le meilleur, il est trop fort, Jules. Trop fort dans ma paranoïa. Encore un autre message qui nous vient de Luc du 93. Salut à toi, Luc. Tu vois, toute la France est représentée, Jules. Hein. Ah ouais. Ça fait plaisir, c'est la team Jules. Ils se reconnaissent, c'est un big up à eux. Toi, t'es sorti en indépendance, t'es pas sorti sur une grosse major, comme on dit, une grosse maison de disques. Ouais. Et tu t'attendais à ce que ton album s'est vendu beaucoup pour un album indépendant, beaucoup plus que certains albums qui sortent avec des grosses majors, avec une grosse promo et tout ça. Tu t'attendais à un succès comme ça? Non, je m'attendais pas, la vérité. Et quand t'as entendu de la première fois ton son sur Skyrock, ça t'a fait quoi? Ça m'a mis les frissons. Skyrock, j'écoute depuis petit, Skyrock. Et voilà, élevé à Skyrock, Jules. Et voilà. Bah nous, on était très contents de découvrir ton son qui fait kiffer toute l'équipe. Ouais, on l'écoute très fort. Ouais, merci. Très fort. On le trouve juste un peu court, parce que c'est ce que vous dites. C'est qui nous disait ça tout à l'heure? C'est un gars qui était sur Facebook, qui nous disait que ton son était un peu court. Bah, comme ça, on peut l'écouter plus de fois. On peut écouter les autres. C'est ça. Et puis, il y a d'autres sons sur l'album, en plus. Voilà. Combien t'as de sons? Et 17 sons, j'ai fait. 17 sons sur l'album. Et je vous le dis, vous en découvrirez plein sur Skyrock très vite, là, Jules. Peut-être une nouvelle que je t'annonce comme ça, mais... Ouais. Ça fait plaisir, tout ça. Donc, Teddy de Toulon, qu'est-ce que tu voulais demander à Jules, toi? Ben, déjà pour commencer, qu'il envoie du gros son. Continue, alors. Que dans 83, on est là en soutien. Et après, je voulais savoir si tu comptais faire des featuring avec Kenny Arcana. Ah, tu veux des featuring marseillais, toi, tu voulais savoir. Ouais. T'es connecté avec qui à Marseille, toi? Hein? Vous deux, je complète la question de Teddy, en fait. Qui c'est que tu connais parmi les rappeurs marseillais? Il y a une grosse scène marseillaise, on le sait. Hein. Ben moi, je connais pas trop de monde, hein, à part... Il y a mon équipe, il y a la Liga One, où il y a Khalid, Soso et Kamikaze. Mm-hmm. Et sinon, je connais l'Algérino. L'Algérino de Marseille. Ouais, sinon, Soprano, tout ça, tu les as jamais rencontrés? Non, j'ai jamais rencontré ni Soprano, ni Alonso. Et toi, je ne l'ai pas rencontré encore. Et c'est le genre de truc qui te ferait kiffer de te retrouver sur, sur scène avec eux, ou de faire un son avec eux, ou... Ouais, pourquoi pas. Ouais, ou toi, tu veux faire ton truc, toi. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas. Et c'est qui que t'écoutais, Marseille, ouais, voilà, ou pas, d'ailleurs? C'est quoi les sons qui t'ont inspiré, les trucs que t'écoutais, alors, qui t'ont fait aimer la musique? Le son, c'est Laura Luciano, moi. Laura de la FF. Ah ouais. Donc je demandais en dehors de Marseille, et là c'est en direct à Marseille. et les sons Carrie que t'écoutais? J'ai pas compris. Les sons américains, les sons US. Alors, ouais, j'écoute Meek Mill, Kijink. Ouais, Kiné qu'on va l'écouter tout à l'heure. Bayshoot. On nous demandait si t'aimais Lil Wayne. Lil Wayne, ouais, j'aime bien Lil Wayne. Ouais, parce que pour certains, t'es... Ah oui, avec le vocodeur. Ah, la voix, ouais, c'est Kertu, ouais, un peu du Lil Wayne. T'as le vocodeur à Lil Wayne. C'est Shakira qui nous laissait le message sur SMS. Il y a plein de stars qui nous écoutent ce soir. C'est ouf. Ouais. Bon, Teddy, t'as autre chose à demander à Jules? Ouais, peut-être un dernier petit truc. Allez, vas-y, profite. Si tu comptais toujours rester sur tes mêmes styles de musique ou changer un peu, voilà. Je vais essayer d'innover, mais tout le temps en restant moi-même, voilà. Ouais, en fait, tu fais les sons qui te font kiffer. Comment t'as fait pour faire ton album en indépendant, on nous dit, parce que moi, je suis avec une bande de potes et on rappe. C'est Steve, 17 ans, qui nous laisse ce message. Alors moi, pour faire mon album, déjà moi là-bas, je fais mes instrus, tu vois. Ah, c'est toi qui fais les sons? Bah, tu composes, tu écris, tu fais tout en fait. Ouais, tu fais tout, bah t'as bien raison, tout l'argent il est pour toi après. Et j'ai fait un son d'ailleurs, une petite anecdote, je vais vous donner. Vas-y. J'ai fait un son, il s'appelle Tout Seul dans l'album. Ouais. Et en fait, ce son, j'étais tout seul dans le studio. Et tu as fait mon instru. J'ai appuyé REC, je suis parti en courant dans la cabine et je l'ai posé en une fois. Tu l'as posé en une fois le morceau. Ah, si vous saviez pas pourquoi il s'appelle Tout Seul. Et ben voilà, maintenant on sait. Bah maintenant vous savez. Elle a tout fait tout seul. Alors comme le disait Romano il y a un instant, c'est tu composes tout parce que tu préfères gérer tout et que tu sais tout faire et que tu le fais bien, ou alors pour garder tout l'argent pour toi. C'est la question de Romano. Ouais. Non, je le fais parce que je sais le faire. Ça fait 12 ans que je rappe et ça fait 7 ans que je fais des intrus, tout ça. Donc, ouais, puis on arrive à soi-même en général. Hein. J'avais un petit home studio, tu as vu, chez moi. Ouais. Je faisais tout chez moi. Parce que je demandais aux gens et les gens, ils me donnaient pas les instrus, tout ça, tu vois. Ah, ils voulaient pas, donc après, j'ai tout fait moi-même.
Bah, au final, ça se passe pas trop mal, hein, tu vois. L'album, il est tout à toi et l'album, il cartonne. Les messages, ouais, bah, toute la France pour toi, vraiment. Ah, mais, j'avais une question, moi. Bah, vas-y, on va. Mais comment, Jules, salut. Oui. Comment t'as réussi à te faire connaître? Parce que, étant donné que tu connaissais personne, c'est quoi? C'est grâce à Internet? Bah, en fait, ouais. Sur Internet, déjà, j'avais un petit buzz, tu as vu? T'avais ouais. ta team, la team Jules. Petit. Ouais. Ouais. Tout petit, on va dire. Après, j'ai fait un son, il s'appelle Cross Volley. Ah ouais, ouais, ouais. Et ce son, je sais pas, d'un coup, il a pété, il a fait le million de buts, tout ça. Et à partir de là, les gens, ils me voyaient dans la rue, les gens, ils m'appellent Cross Volley. Alors, ça s'écrit Jules, ça se prononce Jules, et on t'appelle Cross Volley, c'est compliqué, hein, quand même. Ouais. L'album, et comment voilà. s'appelle l'album, on nous demande sur SMS. L'album s'appelle Dans ma paranoïa. Dans ma paranoïa, c'est facile, c'est comme le single. Voilà, exactement. Voilà, facile. Voilà. Il y a 17. Il est disponible sur iTunes, dans les boîtes, tout ça, les Fnac. Ah, il est partout maintenant. Ouais. Ouais. Voilà, c'est partout, dans toute la France. Partout dans toute la France. Donc, à Toulon chez Teddy, à Nîmes chez Ismaël, mais également dans toute la France. Je te disais, ouais, il y a des messages de partout là. On est fan dans le 54. On a fait une chorégraphie. Carrément. Qu'on danse en cours. Ça doit être sympa. Les profs doivent adorer ça. Ah, c'est bien. Vous passez le temps, moi. Eh ben, petite Luc, elle me l'envoie sur mon Facebook. Ah ouais, si vous avez fait une chorégraphie, tu vois. Fais péter sur le Facebook de Joule. C'est quoi ton Facebook? Vas-y. J-U-L. Alors, Joule, Saint-Jean-la-Pointe. Genre, c'est ma page officielle. Il y a 100 000 j'aime dessus, un truc. Comment tu dis, redis, vas-y, c'est quoi? Saint-Jean-la-Puenta. Ah, ok. Joule, Saint-Jean-la-Puenta. La Puenta. Saint-Jean-la-Puenta, c'est mon quartier. La Puenta. Ah, c'est quoi ton quartier? Voilà, la Puenta. Saint-Jean-la-Puenta. Putain, c'est où ça? Je connais pas. La Puenta. C'est où? C'est vers où? C'est dans le 5e, ça. Ah ouais? Tu connais pas ça, moi? Non, mais c'est pas. Oh, le Marseillais, en bois, ça y est, de. Ah ouh! Hey, c'est pas Saint-Jean-la-Puenta. Hey, c'est pas connu, une fois. Tu pas connu, même moi, je connaissais. En plus, j'habite pas très loin, donc. Ah, les Marseillais. C'est pas connu. Là, c'est un petit quartier, gros, ça que je vais te dire. C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas fond vert. C'est un petit quartier, mais l'inspi, elle vient de là, c'est pas sur la tête. C'est bien, gros. Ah, c'est cool. Tout ce que tu écoutes, l'inspi, elle vient de là. Alors, tiens, il y a Barrio, là, qui nous laisse un message et qui nous dit maintenant que vous avez plus d'équipe de foot à Marseille, vous recyclez dans la musique, c'est mieux. Ben, on a toujours été au top dans la musique. C'est clair, c'est pas un moment quand même. T'as des passions dans la vie, Jules? Des quoi? Des passions, la musique, maintenant, à part la musique. À part le rap, avant j'avais le foot, tu as vu, je faisais du foot. Ouais, et oui, depuis un certain temps moins, oui. J'ai fait 13 ans de foot, j'ai arrêté. Très bien, et l'OM, est-ce que l'OM fait partie de tes passions pour répondre à, je sais pas, 40 questions qu'on a eues là? Ouais. Tu vas au stade? Ouais, l'OM, c'est dans le cœur, l'OM. Ah. Tu viens au stade des fois? J'y ai joué dans l'OM. Ah, dans les équipes de jeunes. Voilà, ouais. Ah ouais, t'as joué jusqu'à quel âge à l'OM? J'ai joué de 17 à 18 et de 18 à 19. Ah ouais, t'as passé 2 ans à l'OM. Ah bah ouais, tu vois, comme quoi. Ouais, on est vraiment chez un vrai Marseillais. C'est beau, hein. Ouais, ouais. Dans sa chicha. Jules, dès que tu passes à Paris, je sais pas si ça te. Ça te bon, ça je fait... passe. Madame, j'ai une date, je suis en showcase là, vendredi, ouais. Demain. Ouais. Au Bim Kim. Et tu restes combien de temps à Paris? Je reste jusqu'à dimanche. Ah, c'est ça, les Marseillais font toujours des petits séjours. Ouais, ouais. Séjours courts et rapides. Ouais. Non, trop parce, ici, que, parce que le samedi, j'ai peut-être une séance d'éducation dans une autre chicha. Mais tu fais vraiment la tournée des chichas en fait. Je les connais en disant ça tout à l'heure, mais c'est vraiment. C'est ça qui a fait un peu de bruit, tout ça, tu vois. Et en même temps, ça me permet de découvrir les autres villes. Tu as vu, quand je vais dans les autres villes, je suis choqué des gens, tellement, tu vois. Ah, ils sont bizarres, ils parlent tout pointu. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce non, je suis choqué de. Comme ils écoutent mon son, je savais pas que mon son était connu dans toute la France, en fait. Ah bah, dans la France, c'est même pas ça, des films. Ah ouais. Et même plus, hein. Merci pour tous les messages. On te les montrera là, quand tu viens nous voir. Ah ouais. Si t'es là ce week-end, on n'est pas là ce week-end. Mais, une de tes prochaines visites, on t'invite dans l'émission, tu passes te faire un petit coucou. Au mois d'avril? Ouais, mois d'avril, le 14 avril, j'ai le Planète Rap. Nickel, gros planète. Ouais, donc on se croisera. Bon, très bien. Si tu veux, si tu passes avant, tu viens nous voir. 21h minuit, tu sais, on est là tous les soirs, Jules. Ouais, ça va, y a pas de souci. Et attendez. Ouais. Je vais faire un petit big up. Ah, bah, vas-y, profite. À ma team Jules. Ouais. Déjà, en tout premier. Et après, il y a ma dream team Jules. Ah. Alors, il y a Charlie, Malik, Patch, Tota, Badis, Brahim, Simo, Mortadan, Fabio, Chico, Gilles, Aluine, Aldine. Tout mon quartier, c'est dans la Puenta, tout milliardaire. Ça, c'est la dream team, ça. Ça, c'est
Kamikaze. Et encore j'en oublie un toutou. Toutou. Et voilà une grosse dédicace à Tota aussi. Et à Malika One. Merci à toi, Jules. Tiens, juste un petit message pour ma mère. Et aussi, je dis à ma mère que je l'aime pas aussi. À chaque fois, j'oublie. C'est mignon. Et écoute, on salue la Dream Team, la team. Les deux clashers, vous devriez faire une Dream Team. Vous avez déjà vos teams dans toute la France. Ah, pas con. Ouais. Faites comme Jules, il a une Dream Team. La Dream Team. C'était Jules sur Skyrock. On t'attend très vite, Jules. C'est Colette derrière. Et salut toute la Dream Team derrière, Jules. Voilà. Et aussi une dédicace à Outine et Ilias. Je les ai oubliés. Amine. Big up à eux. En direct de la chicha à Marseille. Sortez tous le cross volé. Salut à toi, Jules. Attends, j'oublie. Parce que tu m'as posé des questions et tout ça. Ouais. Maintenant, je vais t'en poser une. Ouais. Tu l'as écouté, le son, dans ma paranoïa? On l'écoute tout le temps. Tu serais capable de me le chanter là en live? Chanter en live dans ma paranoïa. Romano, il va te le chanter. On va attendre que tu viennes. Ah, t'as vu. Moi, je réponds aux questions, toi, tu réponds pas. Hein. Si, attends. On va faire un remix, hein. Romano, on y va. Ah, attention. Attends, le refrain. Ouais, le refrain, là. Allez. Attention. Paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. J'ai l'impression, Jules, que tu vas vendre moins d'albums dans les quelques minutes. Ouais, ça chute. iTunes, c'est ta sortie. T'as pris un risque de fou, Jules. Et on te le fait. Grâce à ma team Jules, faut pas oublier que je suis cinquième au top iTunes. Ouais, tu déchires tout, Jules. Un gros merci à eux. Et quand tu viens, on te le fait en live, toute l'équipe. Romano, bien sûr, en particulier, le prince du hip-hop. Ouais. On te le fait en live. Pas de problème. Dès que tu viens nous voir, viens vite, Jules. Ouais. Ça va, t'inquiète. Dans le paranoïa à Marseille. Salut Jules, salut Teddy. Merci Joe, merci Teddy. Et puis merci Ismaël, merci les gars. Paranoïa.